Bonjour à tous, Magali, Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 2 septembre. On nous dit « Restez en dehors des choses, attendez ». Opposition de Mars à Neptune, vous aurez de meilleures idées plus tard. Les émotions qui sont un peu basses avec Pluton partiront aussi. Bon, on reste en dehors des choses. Spectateur, en ce jeudi, on essaye de ne pas prendre trop de décisions et de ne pas s'en vouloir pour autant, si possible. Si possible. Reine de bâton à l'envers. J'ai toujours l'impression qu'elle perd ses super pouvoirs quand elle est à l'envers, la reine de bâton. Reine de bâton, elle a envie de tout faire, de tout voir, de faire partie de tout. Et justement, quand elle peut pas forcément agir ou diriger ou exprimer son énergie, elle se retrouve un peu démunie. Oh. Et en dessous, la reine de coupe. Bah dis donc, l'eau à l'intérieur et le feu brimé à l'extérieur. Les émotions. Et puis surtout l'envie d'harmonie de la reine de coupe, l'intuition de la reine de coupe, la communication, le cœur sur la main. Ah, l'envie et les mains liées dans le dos. Bah dis donc, 9 de coupe, l'ermite, pas étonnant en même temps. 7 d'épée, c'est drôle comme il est là souvent ce 7 d'épée. Cavalier de bâton au milieu. Il y a quelque chose entre... Alors, la superproductivité des reines et l'annonce des faits et gestes du cavalier... c'est un peu comme si vous descendiez vos espérances de la journée en disant « Bon, effectivement, je vois ce que je ne peux pas faire, je vois aussi ce dont j'ai envie. Il va falloir faire avec. » Mais il y a quand même un petit quelque chose qui dit « Ouais, il va falloir faire avec, mais bon. Je vais quand même essayer de tirer mon épingle du jeu avec ce 7 d'épée. » Vous allez bien en cette journée, en tout cas dans votre ressenti. Je pense, on vogue avec le 9 de coupe, dans des choses qui nous ont été amenées et puis au final qui nous conviennent. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'accomplissement émotionnel. On est relativement heureux soi-même. Il y a des moments où, effectivement, on voudrait que les choses... c'est le vœu exaucé, mais c'est presque pour moi comme si vous aviez espéré quelque chose qui arrive, mais avec ce qui arrive, il arrive plein de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, et c'est presque un peu trop. C'est presque un peu trop, et ça, c'est dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être actif de la manière dont vous le voudriez. Et on voit qu'il y a une pause dans vos réflexions en disant « Bon, effectivement, là j'y suis. Voilà ce que j'ai décidé en mon âme et conscience, mais aussi et surtout en mon cœur. Voilà maintenant la façon dont les choses se passent. Et là, malheureusement, elles ne se passent pas avec cette reine de bâton à l'envers. » Ça vous inquiète un peu pour la suite. J'ai toujours l'impression que la reine de bâton à l'envers, elle perd confiance en elle. Il y a quelque chose du domaine de l'énergie, justement, qui n'est pas utilisé à bon escient. Parce qu'il est bloqué. Parce qu'elle est bloquée, cette énergie, à l'intérieur. Et du coup, ça vous fait internaliser les choses avec l'ermite. Comment est-ce que je peux débloquer la situation? Mais c'est vraiment une question... L'ermite, c'est l'introspection, c'est des questions existentielles. C'est plus juste comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais programmer les choses? Quel outil me manque? Est-ce que j'ai besoin d'autres moyens? Là, c'est autre chose. L'ermite, pour moi, c'est souvent une quête spirituelle quand même, mais ça vous fait réfléchir à la suite des événements ou à ce que vous voulez, parce que pour moi, l'ermite, avant la roue de fortune où on part dans des cycles, on part dans une dynamique, il est en recherche d'un élément qui manque, mais qui manque à lui-même, ou alors qu'il n'a pas encore vu, que ce soit dans ses potentiels, dans ses envies, Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression là que vous redescendez de reine à cavalier une fois que vous avez trouvé quelque chose. Et ce 7 d'épée, c'est la stratégie. Et c'est intéressant parce qu'on a deux cartes de coupe, deux cartes de bâton et une carte d'épée. Et les épées, c'est vraiment le mental. Mais c'est le mental, pour le coup... On sait bien qu'on a passé certaines choses, qu'on a décidé et que là, on est dans la résultante de notre décision, de notre avancée. Voilà le cheminement. Et on a vraiment le sentiment que ça a rapport au corps, entre le cœur et ce que j'appelle les tripes avec cette reine de bâton. Mais c'est les pensées qui sont en avant en ce jeudi, c'est pas les actions, parce que les actions malheureusement, c'est pas qu'elles sont avortées ou qu'elles ne peuvent pas être abouties, mais j'ai l'impression qu'on vous laisse pas forcément... les possibilités d'agir avec ces deux personnages qui sont pourtant des grands créateurs, autant la reine de bâton que le cavalier de bâton. Là, la créativité, justement, on vous la refuse. Pourquoi est-ce qu'on a ce 9 de coupe? C'est intéressant, je trouve, d'avoir ce 9 de coupe ici, parce que c'est vraiment, émotionnellement, vous êtes en paix, je pense. La situation, même si elle vous déconcerte, parce que vous avez les mains, c'est ça, vous avez les mains attachées dans le dos. On a un peu une sensation d'être pieds et poings liés, mais c'est ce qu'il fallait faire. Le 10 d'épée à l'envers, la fin d'un cycle justement, arriver au bout d'une décision ou d'un comportement ou d'une journée ou de tout un cheminement qui a été plein de déceptions, plein de choses non achevées. Alors, on vous a tiré 10 flèches dans le dos, vous n'êtes pas si bien, mais vous vous rendez compte que vous vous relevez, et que vous vous relevez avec quelque chose dont vous avez choisi. Hein. Et c'est drôle, il y a une question, il y a une impression de fierté. J'ai 20 000 cartes qui sont tombées, mais on a le 9 de bâton. Une impression de fierté, mais on est sur la défensive aussi, étrangement. Et pourtant, on sait que c'est la fin d'un voyage. Hein. C'est ce que j'allais dire. On sait que c'est la fin d'un voyage, on a le chariot, on a décidé d'aller de l'avant et de toute façon, on y va de l'avant. J'y pensais parce que le 7 d'épée arrive après le 6 d'épée et pour moi, le 6 d'épée, c'est une carte d'aller de l'avant. C'est laisser certaines choses, des disputes, on est la grande personne, on a fait des choix et c'est d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est comme ça. Et là, avec ce chariot, on a l'impression, soudainement, c'est drôle parce qu'ils partent dans deux directions différentes, notre ermite et notre chariot. Le futur sera fait ainsi. Il y a quelque chose de très... J'allais dire, on a l'impression que vous prenez deux chemins différents. Le chariot avec les déplacements, le mouvement, aller de l'avant, justement... C'est dans le futur, mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut que vous retravaillez ou revoyez avec cette ermite. Alors en tout cas, je ne vais pas dire forcément sur ce qui s'est passé dans votre passé, mais sur ce qui vous a conduit à cette situation-là, à ce niveau-là, où il y a des choses avec lesquelles que vous avez acceptées. Mais pourtant, ça vous libère pas du tout. C'est étrange, hein? C'est étrange. Il y a une constatation que vos ressentis, ils sont clairs et ils sont plutôt en phase avec ce que vous avez en tête, ce que vous vivez. Ça, c'est pas de souci. Même s'il y a une vraie trahison derrière avec ce 10 d'épée à l'envers. Mais la trahison, vous vous en relevez. Il n'y a pas de problème. Mais vous êtes obligé de réfléchir quand même, et de faire une pause avec cette ermite en vous disant qu'est-ce qui me convient, où est-ce que ça va mener tout ça, je tourne le dos à l'avancement dans l'immédiat pour me retourner sur moi et sur ce qui me... sur ce que ça signifie la victoire. Mais on a l'impression que c'est un peu une victoire qui vous laisse Enfin, vraiment, vraiment, vraiment pensif. Pensif. On a l'impératrice au milieu. Même si vous, que vous ayez la communication de bloquer, les mains liées dans le dos. Parce que, je vous dis, il y a une idée avec cette, cette reine de bâton à l'envers de se dire, bah là, je ne serais pas capable de faire ça. Ou je ne pourrais pas... si on me donne un poste, si on me donne un projet, j'ai pas les outils, j'ai pas les connaissances, je vois bien. Alors que si on vient vous les donner, c'est que quelque part on croit en vous et on croit en vos capacités. Si on vous donne des possibilités, c'est qu'on croit en vous, on croit en vos énergies et en ce que vous dégagez. Mais là, on voit bien vous-même que vous êtes, vous vous sentez un peu perdu. Un peu perdu, et c'est pour ça que vous avez besoin de cette phase de réflexion avec l'ermite. Et je pense que vous trouvez cet élément supplémentaire que recherche l'ermite, cette étoile, ce... Il y a l'idée d'une éclaircie en vous disant, bon, qu'est-ce qui va me faire moi? On a l'impératrice qui vient me tomber. Qu'est-ce qui va à moi me convenir? Je vois bien que mon vœu, maintenant, est exaucé, même s'il m'envahit de bien trop de choses, que ce soit du passé, que ce soit des doutes. J'ai aussi le sentiment qu'il y a une vraie libération. Et pourtant, ça vous fait quand même réfléchir. La stratégie du 7 d'épée, cette obligation de voir son cheminement seul pour son propre avantage, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui vous... comment est-ce que je vais dire ça? Qui vous inspire. Et pourtant, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Vous êtes obligé de lâcher du lest sur vos propres actions, votre incapacité d'action, pour juste accepter les choses comme elles sont. Et savoir que cette façon de faire les choses, qui est vraiment uniquement dirigé sur soi, c'est ce qui va vous amener l'harmonie et l'abondance avec cette impératrice. Elle est en accord avec son environnement. Je crois qu'il faut apaiser votre feu, savoir qu'il n'y a rien de coincé dans votre créativité, dans votre chemin de vie, dans votre énergie du jour, mais que c'est... j'ai presque envie de dire, les énergies qui sont autour et le cheminement que le monde prend autour de vous, ça, dans le concret de vos activités, ça vous bloque, il n'y a pas de doute, mais il y a autre chose qui sort, et c'est bien plus épanouissant, ou bien plus lumineux, bien plus générateur, alors je vais dire de bonnes énergies pour vous, que tout ce que vous auriez pu actuellement faire si vous n'aviez pas été bloqué de cette manière-là. Elle est sortie deux fois, hein, cette carte du 9 de bâton. Il faut persévérer. Le 9 de bâton, on a vécu des choses, on a saisi des opportunités, on sait que le chemin est long. On a deux 9 et un 10, on peut pas dire, on a l'ermite qui est 9 aussi. Il y a des moments où le cheminement, on a l'impression qu'il est, il est rapide et il est long en même temps, il est clair et il est confus. Ce qui est sûr pour vous, c'est que c'est le bon cheminement. Et il y a quelque chose de très... Si vous pouvez pas agir en ce moment... parce qu'on ne vous donne pas les outils ou parce qu'on ne vous donne pas le feu vert, il y a une idée de persévérer dans l'organisation, persévérer dans l'énergie que vous continuez à créer, persévérer à pousser des portes, assurez-vous que dans votre vision des choses qui doit être uniquement centrée sur vous, vous avez aussi acquis tout un panel de possibilités de faire les choses plus tard, parce que ça va forcément se décoincer, et le fait que vous êtes capable pour autant de continuer à avancer, c'est un apport énorme, alors je vais dire pour votre bien-être, mais pour aussi ce que vous dégagez autour de vous. Mais vous êtes obligé de vous choisir, vous. On est avec le 7 d'épée, on fait des recherches dans le silence, on dit rien à personne, chacun s'occupe de ses affaires, il faut pas se dévoiler, il faut... Et je suis convaincue que c'est pas particulièrement votre façon d'être, même si vous n'êtes pas super expressif d'habitude ou si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui communique énormément. Là, il y a vraiment l'idée de ne pas dire où on veut en venir. Et d'accepter que ce soit comme ça. Si on vous demande des résultats, si on vous demande des réponses, l'émotionnel vous fera parler. Je pense que la communication, c'est pas un problème, au moins sur les fondamentaux. Mais il y a quelque chose avec cette ermite. Justement, l'agenda de la lune nous disait qu'on était... en retrait 2, c'est exactement ça. Mais c'est un retrait qui est un retrait juste pour les autres qui vous voient incapables d'agir. Mais vous, ça ne vous empêche pas non seulement de travailler sur la suite, et ça c'est clair, autant dans l'action que dans le... Mais c'est pas dans ce... C'est drôle. C'est pas dans la situation dans laquelle vous êtes jeudi. On a l'impression, voilà... Il y a deux chemins parallèles. Il y a ce que vous montrez aux gens et il y a ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez est votre propre chemin d'avancer avec le chariot pour le futur, pour voir comment vont se passer les choses, etc. Ça, vous le gardez, ça, vous le gardez silencieux. Ça, vous le gardez pour vous. Et il y a cet autre parallèle où vous vous montrez, vous êtes là, bah moi, je ne peux pas faire grand-chose. Et vous le dites. Ma créativité est bloquée, mon accès est bloqué, j'ai envie de dire ma connexion au monde est bloquée. Je ne peux pas organiser et je ne peux pas faire. Mais au final, ces deux chemins menés de front font quelque chose d'hyper abondant pour vous et d'hyper concret, autant dans votre vie que dans votre réflexion et dans votre satisfaction de la journée. C'est ça, il y a deux vous en ce jeudi. Il y a le vous qui se montre au monde et il y a l'autre vous qui est en train de réfléchir et en train d'assimiler des choses et déjà de voir la suite des événements. Mais je pense que pour beaucoup, c'est cette personne-là que vous serez dans votre journée de jeudi. Tiens, on n'arrive pas à lui parler... quand on lui demande des trucs, elle n'a pas de réponse. Elle nous dit « Oui, je reviens vers toi ». Et puis en fait, elle ne revient pas et vous, vous êtes là. Oui, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Et quand on vous demande des résultats, vous dites « Je ne peux pas, j'ai pas ça comme information. Là, regarde, j'ai déjà, parce que avant le 9 de bâton qui est juste là où on persévère, on est un peu sur la défensive, mais on a tous les arguments derrière, on a saisi toutes les opportunités, on a fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. Mais même là, vous êtes en train de dire « Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait comme il le faut, mais je vois bien que ça ça donne pas les résultats obtenus, mais c'est pas du tout de ma faute. » Et on voit bien que les autres disent « Bah oui, effectivement. » Mais ils ne voient pas le travail que vous faites à côté, dans l'ombre. Est-ce qu'on peut rajouter une carte par rapport à ce tirage de jeudi? C'est prendre son pouvoir. C'est prendre son pouvoir et puis c'est... comment on dit ça? Acter presque. C'est montrer que... Montrez votre optimisme et votre exubérance pour taper, pour aller chercher votre résilience personnelle. Ce « je peux le faire », cette mentalité « je peux le faire » vous servira bien et créera du bonheur. Vous avez ça « je peux le faire », mais vous le montrez à personne. Ce que vous montrez de vous, c'est « ben là, je suis coincée ». Ce que vous montrez de vous. Mais ce que vous faites... à côté, dans l'ombre, ça c'est... j'ai le pouvoir, complètement. Complètement. Intéressant. Dites-moi, commentez ce tirage de jeudi si vous avez le sentiment d'avoir un dédoublement de la personnalité en ce jeudi. J'aimerais bien entendre vos ressentis par rapport à ce tirage. Vraiment, je peux le faire. Mais vous le savez, ça. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Merci.